fouette un adversaire redoutable. Il joue les jolis cœurs en privé, mais au fond c'est un tueur. Ne t'avais-je pas prévenu? J'ai eu la naïveté de croire, après nos discussions de l'autre soir, que je pouvais, malgré tout, travailler avec lui pour mieux le neutraliser et accéder du même coup à des restes. Et voilà, tu viens de déchirer notre accord politique, de m'écarter pour présenter un autre candidat aux prochaines élections sénatoriales. Oufoué n'a pas de parole, j'ai la rage. C'est clair, il te déteste et si tu ne fais rien, il te broiera. Tous les dictateurs finissent toujours par éliminer ceux qui les gênent, en allant même jusqu'à inventer des complots imaginaires. Vous avez raison, il me faut réagir. Ce serait d'ailleurs de la légitime défense. Dans ce cas, revenons au plan de départ. Tu organises une réunion de ton parti, tu attires au fouet, tes hommes l'attaquent, mais c'est lui qu'on accusera de trouble. J'interviendrai alors et le ferai jeter en prison. Tu es d'accord? Je suis d'accord à 200%. Oufoué, cette fois, tu es foutu.